Le Musée national de l'éducation, basé à Rouen, met en place de nombreux ateliers pour les enfants. Tous les mercredis, un nouvel atelier est proposé afin de faire découvrir les collections ou l'histoire du musée à travers des médiations singulières. Le théâtre d'ombre et de lumière s'adresse aux enfants âgés de 6 à 10 ans et leur permet de découvrir les mystères de la maison des quatre fils Aymon. Justine, agent d'accueil et de médiation, entreprend l'atelier par une analyse visuelle de la maison des quatre fils Aymon. Ils ont estimé qu'elle avait été construite vers 1470. 1470-1480, ça fait plus de 500 ans. Ça fait presque 550 ans. Vous voyez que c'est une maison très très ancienne. Il faut travailler beaucoup pour tailler la pierre. Et généralement, les pierres... En plus, nous ici en Normandie, des pierres comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des régions où on trouve beaucoup beaucoup de pierres, et ce n'est pas un problème. Mais nous, chez nous, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est un matériau qui coûte un petit peu cher. Donc, on n'en met pas partout sur la maison, on en met essentiellement là. Justine réunit ensuite les enfants dans la cabane, la salle dans laquelle sont réalisés les ateliers du musée, pour leur expliquer l'histoire des quatre fils Aymon. Cette histoire sera ensuite contée au moyen de marionnettes réalisées par les enfants. Sur les conseils de Maugis, ils vont dans le sud de la France et ils rencontrent Ion de Gascogne et lui proposent de se mettre à son service. S'ensuit ensuite la réalisation des marionnettes dans le cadre de cet atelier créatif. Un drap et vous allez fabriquer des petites marionnettes comme ça. On les mettra derrière le drap. Et on pourra comme ça raconter toute notre histoire. Alors là, je les ai déjà un petit peu préparés pour que ce soit moins difficile à faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des petits groupes et que chaque petit groupe fasse une partie de l'histoire ou un petit morceau de l'histoire. D'accord? L'atelier prend fin sur l'histoire des quatre fils Aymon, présentée par les enfants devant leurs parents. Les marionnettes sont alors mises en scène derrière un drap au troisième étage du musée. Renaud se met en colère. Allez, Renaud, il trépigne un petit peu, fais-le bouger. Il se met en colère et il jette l'échiquier sur Berthollet qui tombe mort. Le roi Charlemagne se met très en colère également. Sur leur chemin.